pouvez vous asseoir. Oui, donc nous allons partager la parole du Seigneur et je voudrais vous demander qui veut suivre Jésus. Amen. Amen, vous voulez suivre Jésus. Nous allons donc, il y a tellement de Brésiliens autour de autour de cette église. Je me suis dit, tiens, écoutez ce chant qui vient du nord-est du Brésil. C'est un chant évangélique avec un rythme, avec des accordéons. Certains disent que c'est l'influence française parce que la France a occupé une partie de ce territoire du nord-est du Brésil. Écoutez ce chant, juste le début un petit peu. Vous pouvez danser si vous voulez. Levantei a mão, quase que Deus me usava quando me voltou, me dava por sua coração. Se você é quase crente, ce chant se dit « J'étais presque chrétien hein, ». Pour les Brésiliens qui sont là, ils ont compris. Je vais vous traduire quelques phrases. « Quand j'étais presque croyant, je m'abandonnais presque au Seigneur. Quand le pasteur a demandé qui voulait accepter Jésus le Sauveur, j'ai presque levé la main. » Parce qu'au Brésil, on fait souvent « Qui voudrait recevoir le Seigneur ?» et les gens lèvent la main. Donc, j'ai presque levé la main. Si vous êtes presque croyant, changer de vie. J'étais aussi presque un croyant, mais dans une révélation, j'ai vu que Jésus arrivait, mais je n'arrivais pas à me décider et j'ai presque gagné le salut. Je trouve ça très intéressant. J'étais presque sauvé. Quand j'ai blessé quelqu'un, je m'excusais. Presque. Je me souviens d'un jour où j'ai failli gagner ma tante, ma mère et mon frère. Presque. Toujours presque. Qu'est-ce que Jésus aurait à dire de ce presque? En fait, ça fait des années que quelqu'un m'avait donné un CD. C'était ce groupe-là. Donc, c'était tout depuis maintenant. Ils en ont déjà chanté 12. Ils ont 12 albums sur Internet. C'est très intéressant. Presque. C'est ça le problème. Presque. Presque, ça ne suffit pas. Est-ce que d'être 50% engagé avec Jésus suffit? Non. Non. Même 99%. 9 machin ne suffit pas. Est-ce que je peux 50% être 50% rempli du Saint-Esprit? Non. Ça ne fonctionne pas. Jésus est très exigeant, vraiment très exigeant, au point, je le disais hier, quelqu'un dit, oui, Jésus est très exigeant, et après il dit, il a peu d'ouvriers. Mais oui, mais il est tellement exigeant. Presque dans le même chapitre de Luc, où Jésus, dans le chapitre 9, Jésus va faire des exigences incroyables, vous allez voir. Et dans le chapitre 10, il a dit « Priez » parce qu'il a très peu d'ouvriers. Mais on a envie de dire « Oui, Jésus, mais tu as mis la barre trop. » C'est pour ça qu'il a très peu d'ouvriers. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand Jésus prêche, si les gens ne sont pas 100% avec lui, il ne court pas après les gens et dit « Oh, s'il vous plaît, revenez, je vais changer un peu. » Les règles. Mais non, ils ne changent jamais. Je disais aussi hier, quelqu'un disait, il a vu dans une église aux États-Unis, où il disait, venez chez nous ne pratiquons que 8 des 10 commandements. Donc celui qui était trop difficile, ils ont enlevé. Chez nous, la dîme, c'est 8%. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de truc. C'est qui c'est dans les supermarchés font ça souvent. Hein. Maintenant, je pense qu'on a le droit de comparer les choses. Chez le machin, vous avez ça pour les portables. Chez nous, c'est beaucoup moins. Jésus ne faisait jamais ça. Donc avec Jésus, c'est soit 100% ou rien. C'est ça qui est incroyable avec Jésus. Donc Jésus va mettre la barre très haute. Donc je vais vous lire ce qu'il dit dans Luc 10, 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais oui,
Mais il a déjà mis la barre très haute. Et comment est-ce qu'il a mis cette barre très haute? Dans Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus aurait dit, « Oh, alléluia, merci mon fils, viens. » Mais le problème, notre problème, c'est que Jésus connaît notre cœur. Et Jésus connaissait le cœur de ce monsieur. Vous voyez qu'ici, Jésus n'a fait aucun appel. Jésus n'a pas dit, « Qui voudrait me suivre ?» C'est lui qui est venu. Et le texte de Matthieu nous dit que c'est un scribe. C'est lui qui vient et qui dit, « Seigneur, je vais te suivre. » Et Jésus dit, « Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Vous voyez, c'est un peu le discours vie d'église. On dit que Jésus, avec ses discours, vidait son église. Il a des discours de Jésus qui sont tellement percutants que les gens partent. Jean 6, vous avez déjà lu Jean 6? Jésus aurait pu avoir une méga church ce jour-là. Il faut rire. Pourquoi? Il avait multiplié du pain pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est incroyable, vous imaginez une église de 5000 hommes? Et on sait qu'il a plus de femmes, regardez autour de vous, il a plus de femmes ici, je pense, que des hommes. Jésus aurait pu avoir une grande église. Le lendemain, il traverse le lac, les gens arrivent et les gens demandent à Jésus, « Quand est-ce que tu es arrivé là ?» Et Jésus dit, « Vous êtes là parce que je vous donne à manger. » Jésus, tu peux avoir une méga church, fais pas ça. Vous avez déjà lu Jean 6? C'est un des textes les plus difficiles du Nouveau Testament. Où Jésus va dire, « Si vous ne mangez pas de moi, vous n'avez aucune part avec moi. » Il faut manger de moi. 5000 la veille. Le lendemain, ils sont combien? 12. Et Jean, pour vraiment, vraiment nous décourager, il dit, Tantin était un démon, donc 11. La méga church de Jésus capote. On apprend à parler au russe hein, avec Svetlana et Roman. Ah, là, il a comme ça, il a compris. Et de temps en temps, je dis, il a un problème, capote. Ah, elle a compris, ça, elle comprend. Capote. 5000 hommes, et maintenant il ne reste que 11 hommes seulement, 11. Bon, peut-être il avait aussi les femmes qu'ils avaient comptées, toujours pas. Il avait Marie sûrement, il avait les autres maris. Donc une vingtaine de personnes. Jésus est très exigeant. Mais je, sincèrement, Pierre aurait dit, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu as dit ça? Ce monsieur, c'était un scribe, c'était quelqu'un de connu. On allait avoir quelqu'un qui avait donné une dîme conséquente dans l'église. Et tu lui dis de partir parce que tu dis une chose difficile. » Jésus est en train de dire à cet homme, « Ça va être dur. » Est-ce que Jésus voulait dire à cet homme qu'il fallait vendre sa maison, vendre sa voiture, dont nous parlait Adrène, vivre dans une forêt, vivre dans une caverne? Est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire? Quand il dit que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. En fait, c'est beaucoup plus difficile que de vendre votre maison. C'est beaucoup plus difficile. Si c'était que ça, pour suivre Jésus, je vais vendre tout ce que je possède. C'est beaucoup plus difficile. C'est Jésus lui-même qui nous donne la réponse dans Luc 9, verset 23. Puis il dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Oh là là. « Qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Et les gens vous disent, « Ma croix, c'est ma belle-mère. » Mais non, la croix, c'est vous-même. Et qu'il me suive. Trois choses. Renoncer à soi-même. Quel est notre plus grand problème? Mais notre ego. Comment est-ce que le serpent a attrapé l'homme au départ, au jardin? Vous serez comme Dieu. C'est un peu comme ça. Moi, je fais du théâtre, madame. Vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, c'est vous qui aurez le contrôle. Il a même une religion, je ne vais pas la citer, parce qu'on est sur Internet, où il n'y a même pas de Dieu. Dieu, c'est vous. Mais c'est ça, ici. C'est ça notre problème. Regardez, allumez la télé juste quelques secondes, tout à l'heure, et vous allez voir que notre problème, c'est notre ego. Nous possédons ceci, nous voulons cela aussi. N'est-ce pas? Moi, 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 moi. Donc la première chose que Jésus dit, renoncez à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi.
le verbe suivre, il est dans tous ces textes que je vais vous lire. Suivez-moi. Vous savez ce que ça veut dire, suivre, dans ce texte grec? Ça veut dire imiter. Imiter. Comment est-ce que Jésus marche? Mais marcher comme Jésus. Amen. Merci. Charger, se charger de sa croix. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus difficile que de vendre tout ce que vous possédez. C'est pas difficile de vendre quelque chose que vous possédez. Le plus difficile que nous avons, c'est en nous, en fait, de faire confiance au Seigneur. Vous avez déjà vu, quand on est attaché à une croix, si on nous frappe, est-ce qu'on peut frapper? Espèce de machin, de truc, on nous jette des tomates qui sont pas bio en plus, pourries. Mais on est crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. Vous voyez, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est comme ça que ça marche. La vie chrétienne est tellement fondée entièrement sur Jésus-Christ de Nazareth que si on n'est pas à 100% avec Jésus, ça ne marche pas. Chaque fois que vous tombez, chaque fois que je tombe, chaque fois que je commets un péché, c'est parce que je n'étais pas à 100% avec Jésus. Sinon, ce n'est pas possible. Je suis rempli du Saint-Esprit, Jésus habite en moi. Pourquoi est-ce que je fais encore de bêtises? Pourquoi est-ce que je suis capable de dire des choses tellement mortifères aux gens? C'est parce qu'à ce moment-là, c'était moi qui régnais et ce n'était pas Jésus. Suivre Jésus, c'est la chose là, c'est très important. C'est la chose la plus importante dans la vie du disciple de Jésus. Ça, c'est la première chose. Il y a trois choses dans ce texte. Dans le texte de Matthieu, il n'y en a que deux. C'est pour ça que je choisis celui de Luc. Parce qu'un baptiste, un pasteur baptiste, prêche toujours avec trois points, on m'a dit, quand j'étais au séminaire. Et voilà que Jésus, peut-être, était baptiste. Parce que Jésus, aussi, dans ce message, a trois points. Le premier point, il dit « les renards ». Dans le deuxième point, c'est Jésus lui-même qui demande à quelqu'un. Et il a dit, suis-moi. Et la personne va répondre, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Oh là là, ça c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais peut-être demander aux frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que Jésus dit à cet homme, laisse les morts ensevelir leurs morts? Ah, quelqu'un demande, cherchait un traducteur au Moyen-Orient. Donc il va chercher un monsieur, il va dire, est-ce que vous parlez l'anglais? Il dit, oui, je parle anglais. Est-ce que vous voulez voyager? Je fais un voyage au Moyen-Orient. Est-ce que vous voulez traduire pour moi? Il a dit, non, je dois enterrer mon père. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, je dois rester avec ma famille jusqu'à ce que mon père décède. Ça ne voulait pas dire que son père était mort, là. Ça voulait dire qu'il fallait qu'il reste attaché à sa famille jusqu'à la mort de ses parents, de son père. C'est peut-être de cela dont il s'agit ici. C'est-à-dire cette personne, sa priorité, ce sont les affaires de la famille, par exemple. Il n'est pas libre pour quitter cela et suivre Jésus. Il y a des pays où suivre Jésus, ça veut dire signer son arrêt de mort. Nous avons même des exemples dans cette église des personnes qui viennent des pays comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même vie. Il y avait un pays où on pouvait écrire « Nous n'embauchons pas des chrétiens », par exemple. Donc, ce n'est pas simple. Mais à notre niveau, vous allez être confrontés au même problème, moi je pense. Vous ne perdez pas votre vie. Mais qui vient en première place dans votre vie? Jésus ou autre chose, ou autre personne. Le troisième exemple de Jésus, c'est aussi une personne qui veut suivre Jésus. La première, c'est Jésus qui l'invite. Dans les deux autres, pardon, il y en a un où Jésus invite, et deux où eux-mêmes veulent suivre Jésus. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on a la main à la charrue et on regarde en arrière? Qu'est-ce qui se passe? Ah, les sillons ne seront pas droits. Hein? Comme il faut. Même à l'époque, il fallait que ça soit tout droit. Ils avaient sûrement une raison.
Donc on voit ici un cœur divisé. On ne peut pas être partagé. Vous voyez, les 100% sont très importants. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus n'est pas en train de dire à ce monsieur d'abandonner sa famille. Jésus dit ces choses parce qu'il connaissait le cœur de ces personnes. Parce qu'abandonner sa famille n'est pas chrétien. Hein? Si maintenant je ne fais que servir le Seigneur, 100%, je ne m'occupe plus de ma femme, ni de mon mari, ni de mes enfants, ni de mes parents. Mais non, mais ce n'est pas ça du tout. C'est une question de priorité. Est-ce que mon cœur est divisé? Parce que même quand je prends soin de ma famille, je suis en train de suivre Jésus. Ces choses se passent dans le cœur. Dans le récit de Matthieu, il a aussi le verbe « suivre ». C'est dans le verset 23, dans le même récit de cette histoire des gens qui veulent suivre Jésus, c'est dans Matthieu 8, et l'autre c'était dans Luc 9. Dans Matthieu 8, il n'y a que deux exemples, et à la fin du récit, c'est écrit dans le verset 23, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. » Et si vous êtes comme moi, curieux, tous les pasteurs devaient être curieux, toute personne qui prêche la parole, on va se demander, mais quel est le rapport entre l'appel de ces trois personnes et les disciples qui montent dans la barque? Parce que je me suis posé la question hier, quand je préparais le message, je me suis dit, pourquoi est-ce que ce texte est là? C'est peut-être parce qu'il y a une tempête ce jour-là. Dieu nous appelle à le suivre même quand il y a des tempêtes. C'est le même verbe qui va être utilisé. Jésus monta dans la barque et les disciples vont suivre Jésus. Parce que suivre veut dire imiter. Jésus monte, il monte aussi. Et il y aura une tempête. Jésus a une leçon très importante qui va nous aider, l'importance de suivre 100%. Quand Jésus dit à la tempête, tais-toi, quel est le comportement des disciples? Comment ils vont voir cette situation? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et je pense que là, c'est la clé de tout ce texte. Il dit, ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents de la mer ?» Quand vous suivez Jésus, vous devez vous poser cette question. C'est qui Jésus? C'est qui cet homme? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Jésus Kurios, Seigneur de l'univers? Ce n'est pas seulement le Seigneur d'un domaine où il y a un château, c'est le Seigneur de tout l'univers. Pourquoi est-ce qu'il faut suivre Jésus à 100%? C'est parce que Jésus est le Fils de Dieu. C'est parce que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. C'est parce que Jésus est le roi des rois. C'est lui la vie éternelle, nous dit Jean. C'est pour ça qu'il faut le suivre. C'est pas juste un gourou. C'est pas juste un prophète. C'est le Seigneur de l'univers. C'est tellement fort que Jean nous dit que la parole était Dieu et c'est cette parole qui a créé l'univers. Dans Hébreux, d'ailleurs la lettre aux Hébreux n'a même pas de salutation, commence comme ça en nous disant que c'est lui qui a créé l'univers. Donc Jésus, mort sur la croix et ressuscité, c'est le créateur de l'univers. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun nom plus grand que le sien. Cet événement de la barque va nous montrer cela. Les disciples vont comprendre une chose. Celui qui invite les gens à le suivre peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Donc si vous vous rendez compte que Jésus est le Seigneur. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses, qui peut lire la pensée de chacun de nous ici ce matin, qui connaît tout ce que nous avons dans notre tête. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas le gouverneur d'Israël, ce n'est pas le chef de la police, ce n'est pas un président de la République très puissant, ce n'est pas un roi d'une nation, c'est le Seigneur des Seigneurs. Il a beaucoup d'autorité parce qu'il est. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il se présente dans Jean. Je suis. Pourquoi est-ce qu'Andrène a décidé de suivre Jésus? Parce qu'il a compris que Jésus est tout. D'ailleurs, il l'a dit dans son témoignage. La connaissance de Jésus est capitale pour qu'on puisse obéir à sa voix. Si Jésus est petit dans votre croyance, votre marche chrétienne sera petite aussi. Et vous allez lui donner que le reste de votre vie. Ce qui reste. Bon, j'ai déjà fait ça, ça et ça et ça. Bon, là, je vais donner une partie de ma vie à Jésus. Soit nous lui donnons tout notre cœur, soit ça ne marche pas. Ils ont compris cela, je pense.
Ils ont compris que celui qui était dans la barque avec eux, c'était le créateur de l'univers.